Là, si on veut, on peut le dénoncer, non? Pense que si on veut, on peut le dénoncer, les gars, non? Pas si on a. Le problème. Il faut pas se mettre trop près en fait. On se met trop près, ça. En fait, on voit à travers. À travers. Des appartements. Ah, qu'est-ce que c'est? Monsieur le mafieux, on est ensemble. Bonjour Monsieur, madame, monsieur. vous n'auriez pas une machine Monsieur à Mafieux, distributeur qu'est-ce qu'il de... fait là? Allez, mafieux. Vous auriez pas un distributeur s'il vous La plaît? voiture, monsieur, vous m'avez acheté votre voiture, s'il vous plaît. Ah, je peux vous faire ça. Attendez, je vais chercher C'est de la dans merde. l'arrière-boutique, hein, ne bougez pas. Merci. C'est pas un mafieux. C'est de la merde. Monsieur, c'est où la voiture? Vous savez, c'est où qu'on achète la voiture? Moi aussi je Ah cherche oui, j'en ai justement. un. C'est Paris. Bah moi on m'a dit... Pardon, pardon. Au lieu de se faire chier, il aurait fait pop dehors, les gars. Il a joué RP, il a été sur la route. Vas-y, servez-vous, je vais le mettre en place, allez-y. Je ne peux pas me servir là, madame. C'est pas une mauvaise idée. Vous avez une boîte magique, madame. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Vous connaissez Harry Potter, madame? S'appelle comment la fille d'Harry Potter déjà? Aucune idée. Merci beaucoup, madame. L'arrière-boutique et tout, oh, Ça marche, hein. Je sais comment que ça marche. En fait, tu peux bouger la caméra. ah bon, comment? Ouais. En fait, une fois que la caméra est placée, tu retires ton clic. Ton clic? Et Ouais. après, tu peux bouger avec tes touches directionnelles. Ah tranquille, et t'as vu ce qu'il y avait fait le gars alors? Y avait un printer. Les gars. Merci la police. Mais ça que je me dis, est-ce qu'on a le droit de le dénoncer en fait? Ouais, je me le demande bien. C'est ça en fait. Cette voiture. Merci beaucoup, madame. Pouvez-vous Vous pouvez m'emmener descendre, s'il vous plaît? au concessionnaire, s'il vous plaît? Vous allez rayer là. J'ai dit à mon collègue avec moi, je suis désolé, on n'a pas plus de place Je vous fais à manger, je vous fais à manger, je vous fais à manger si vous voulez. Je monte sur le capot. C'est une voiture de place, J'ai dit à madame. manger. Madame, veuillez descendre de Ouais, là. madame, descendez. C'est pas elle hein, qui a été chercher Ouais. le truc à l'arrière-boutique. Ça se T'as voit pris à direct. manger? Ouais. Tu sais comment je sais qu'il y avait l'arrière-boutique? Pourquoi? Enfin, j'ai lancé ton live le temps que j'étais AFK. Ah d'accord. Donc, Et je sais là, pas si il a tu bien vois. joué parce que il aurait pu le faire pop dehors, tu vois, comme moi je fais. Mais le mec, Ouais. il l'a bien joué parce qu'il a fait style qu'il va Ouais. chercher un arrière-boutique et tout. Au départ, j'ai cru qu'il allait être couillonné par la porte, mais non, il a réussi. Capitaine Marocco, en tout cas, il préfère en jeune la bagnole. Il aime bien là? Ah, il a dit qu'il aimait bien en jaune. Il la préfère en jaune. Enfin, c'est ce qui est marqué là, quoi. Oula, le 142. À moins que c'est le message qu'il y avait avant. Non, c'est le message qu'il y avait avant. Ok. Incompétent. T'as déjà déposé ton printer? Non, bah non. Il n'y avait pas encore de banquier. J'ai attendu qu'il s'installe. Je sais pas s'il est installé.
Moi je me demande s'il a bien encore mon printer chez lui. Je suis en train de demander s'il y a encore le printer de Monsieur Gandalf le Roux, s'il te plaît. De l'agent 4. Y a-t-il un banquier, s'il vous plaît? Il n'y a pas de banquier. Et je me demande si mon printer il est bien là-dedans, tu vois. Je me demande si on me l'aurait pas volé. Tout à l'heure j'en ai vu un partir avec un printer de la banque. Hein, donc. Je te jure que si c'était le mien, c'était pas RP. On peut pas, je crois. Il y a que le banquier. Ouais, je crois que mon printer a été volé. Hein. Ouais. Il y a 6000 dedans. Bon, je crois pas qu'il a été volé du coup. Parce que ce serait un gars. Ah, en plus c'est un VIP quoi, oh là là. Allez. Une petite annonce. Mais je crois que c'est Yamada qui a fermé la banque tout à l'heure, le coffre-fort. Ok. Donc il est peut-être encore à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est demander aux flics s'ils ont besoin de... Ouais. On va enquêter quelque part. On se gare comme des... Non, c'est bon, je demande pas. Ah, c'est l'autre, c'est l'officier, merde. Ouais, je demande pas, genre du gars. Tu te débrouilles, mon sang ? Essaye de me faire une course-poursuite ? Quelle course-poursuite ? Non, mais si jamais je roule trop vite et qu'il y a une poursuite. Si c'est les autres, je me rends, mais si c'est lui, je le ferai rouler. Mais ma voiture et sa voiture, elles vont de la même vitesse. Enfin, les voitures de police. C'est bon de savoir. Moi je voudrais qu'il tombe sur admettons des admins qui jouent policier, tu vois. Ouais. Et là il va se faire niquer. Ils sont niqués. Et qui en flic, j'aimerais bien regarder ça. Je vais juste me garer là-bas. T'as pas le grand principe mais bon. Non mais je regarde en HRP, c'est pas pour savoir en RP. Et j'ai le droit de regarder en HRP. Ouais. Hein, c'est comme l'histoire du pour retenir le prénom quoi. Je veux voir s'il n'y a pas un ami qui joue en flic. Ou un gars que je connais qui est bon flic, quoi. En principe, ah non, Starlo, c'est Yamada. C'est au matin, Marcus. C'est bon. Ouais. Et des fois, il vient au soir quand même. Je l'ai. Enfin, aujourd'hui, il est pas venu. Enfin, il est venu, mais deux minutes. Après, il est aussi Marcus. Vite reparti car il était. Ouais. Car il était sous Wi-Fi et il buguait. Ah, d'accord. Pour une histoire. Toi, en fait, Je t'expliquais. J'avais un gars qui était menotté. Et t'as son collègue qui lui dit viens monte dans le véhicule, le gars est monté. Donc moi je tire sur le véhicule. Ben, ouais. Le mafieux était pas d'accord, du coup il a appelé l'admin. Mais tu sais quoi, s'il est menotté, en principe il doit se laisser faire, ben, il a pas ouais. Le droit de se barrer. Ouais je sais. Mais alors après j'en ai parlé avec l'admin, il a dit oh je sais. Ouais il a pas le droit de. En étant menotté, il doit se laisser faire. C'est comme un mec qui est tasé, il a pas le droit de fuir. Ouais voilà. Il doit se laisser faire. Mais le gars est aussi vite descendu, il a entendu que j'ai tiré une fois, il est descendu le menotté. Hein. Car après je lui ai même demandé à l'interrogatoire si ça avait bien été RP, il a dit bah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que t'as Ah il fuit donc, de toute façon t'as le droit de tirer s'il c'était fuit. Qui encore Monsieur Hunter, le gars qui est encore là une contre moi, là, qui était dans l'action hier. Ouais, donc. Et lui roule à gauche. J'ai l'impression que j'ai espionne depuis. Pas... Ouais, il peut roule pas trop vite. Si vous avez rien à nous reprocher. Moi, je suis pas censé savoir quelque chose. Voilà, ça c'est trop spot hein, qui nous poursuit. Non mais c'est pas grave, de toute façon on a rien à se reprocher. Qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il a voulu dire arrêtez vous mais il a pas sa sirène, il a rien. Hein. Ouais, il doit mettre sa sirène. Ouais. T'es où? Tu roules à gauche. Oui, je sais, j'ai pas fait exprès, c'est à cause des... J'ai dit, quand ça lag, tu roules moins vite. Bah j'étais pas vite là. Ouais, je sais. Une fois que j'étais passé 40, t'entends le moteur? De toute façon ils ont des vitres. Pas de sirène. Hein. Ouais, pas de sirène. Il t'a tapé dans la voiture, arrête-toi. Il a tapé dans la voiture avec ouais, la sienne. Pour faire un constat. Pour faire un constat. Là t'as vu, j'étais arrêté. Alors bonjour. Bonjour messieurs. Messieurs, vous savez que si vous essayez d'arrêter quelqu'un, il y a les sirènes qui existent, hein, messieurs. Avec les sirènes et les alarmes de la voiture des femmes. C'est derrière que je vais comprendre que vous voulez me voir. Donc maintenant, vous avez vu, vous avez un petit peu détruit mon arrière-train du véhicule.
On voudrait faire un constat, monsieur. Un petit prêt, monsieur. Monsieur, il est parfait de votre arrière. On voudrait faire un constat, monsieur. Vous avez tapé dans la voiture. Monsieur. Oui, oui. Bah, monsieur, nous avons appelé plusieurs fois. Mais bon, écoutez, nous avons fait un petit contrôle, d'accord. Mais vous savez, si vous nous avez appelé, on n'entend pas à travers les vitres avec la radio à fond, monsieur. Je suis désolé. Ah, je sais pas, monsieur, on a ouvert les fenêtres, on vous a fait des signes, monsieur. Oui, monsieur. Mon prénom est peut-être Gandalf, mais je suis pas Gandalf. Oh, et où ? Reviens pas sur ça à chaque fois, putain. Mais non, mais je suis Gandalf le Rouge, je suis pas censé savoir qui m'appelle. Vous quand même comprendre. Monsieur, vous avez des sirènes, si vous voulez arrêter quelqu'un, c'est vous devez mettre les sirènes. Tout au moins les gyrophares. On a expliqué tout à l'heure, les gyrophares et les sirènes, ils bug. Non, non, ils fonctionnent très bien, ils fonctionnent très bien. Si vous voulez, on vous le fait voir, monsieur. Non, non. Ouais, vas-y, laissez-moi monter dans votre véhicule, je vais juste vous le montrer. On vous le fait voir, hein. Hors RP, on vous le fait voir. Un officier de police va monter dans le véhicule. Attendez, un officier. Ça fonctionne très très bien. Bah, qui monte, mais il faut que je sois en conducteur pour pouvoir le faire, hein, donc si je suis pas en conducteur, je peux pas te les mettre. Hors RP, ça fonctionne très très bien. Oui, oui. Ouvre HRP. Regarde, attends. Ça fonctionne très très bien. Ça marche, mais chez moi, ça ne marche pas. C'est que vous savez pas votre touche hors RP. Je vais vous faire un screen HRP. Bah ben y'a pas de screen, comment tu veux faire un screen? Un screen de quoi? Moi je t'ai fait plus sur ta touche que... Non mais tu vas faire un screen comment? Tu vas nous donner comment ton screen? Écoutez, on va faire un contrôle, c'est bon, vous la fermez, je vous dis que ça marche pas. Ok. Si vous procédez à un contrôle, si vous refusez, vous les mettez en prison. Allez-y, faites un contrôle, on n'a rien à nous reprocher. On n'a rien à se reprocher. Allez-y. Le contrôle, mais après je veux un constat. Par contre, il y a un constat, oui. Il y a un constat, sinon on porte plainte à la mairie. Votre voiture va très bien, monsieur. L'arrière est très bien, monsieur, vous inquiétez pas. On a l'aile arrière qui est endommagée, monsieur. L'arrière est très bien. Mais non, monsieur. On va demander à un agent de police. Monsieur Olivier Dubois, l'arrière de cette voiture, comment vous la trouvez? Est-ce qu'elle a l'air endommagée ou pas pour vous? Eh, quand vous tapez, quand vous prenez une voiture, vous tapez dans l'arrière d'une autre voiture, messieurs. Voilà. Est-ce que l'arrière de la voiture, elle est endommagée ou pas? Il y a tout au moins des griffes. Bah oui. Monsieur n'a rien sur eux d'illégal. Non. Au pire, entre nous, si vous voulez pas faire le constat, parce que en RP pour vous, il n'y a rien sur le véhicule, je te le dis juste en HRP, normalement tu m'as foncé dedans, donc il y a obligatoirement quelque chose. En plus que toi, je sais pas comment ça s'appelle, ça marche ultra blindé, donc juste à foncer à peine dedans, bien lui faire un coup. Justement, si en RP tu veux pas faire un constat, c'est que c'est pas très... Hors RP, ce que tu fais, c'est pas RP, puisque quand tu dans la vraie vie, quand tu tapes dans une voiture, il y a tout au moins des griffes. Voilà. Hors RP, si tu joues pas RP, je donne la vidéo aux admins, tu joues pas du tout RP, t'as tapé dans la bagnole, go. Non mais je peux appeler un admin. Hein. Je peux faire voir une vidéo, j'ai un live. J'ai un live, tout est enregistré. Il y a combien de personnes sur le... On s'en fout combien de personnes qu'il y a sur le live. Le principal c'est que c'est enregistré. Je voudrais juste savoir. Ça te regarde pas. Les agents. Mais dites-moi, je voudrais juste savoir, monsieur. Je pourrais vous aider si vous voulez avec votre live. J'ai une communauté de 2000 abonnés. On s'en fout. On préfère avoir des bons viewers, pas des viewers. Non mais tu t'as pas besoin de le dire. Monsieur, des viewers, c'est pas beaucoup quand même. Moi je dis rien, mais quand tu tapes dans une voiture, t'es allé endommager automatiquement. Même si c'est que des griffes, c'est endommagé, donc tu fais un constat. Monsieur, chez moi c'est 100%. C'est-à-dire que chez vous ça doit être 100% aussi, non? Oui, non, pas. Tu fonces à peine dedans, ça fait obligatoirement une griffe. Obligatoirement, il y a un constat. Comme en vrai, tu vois, en vrai, t'as pas ton constat écrit. En vrai, t'as peine. Oui, chez moi, il y a 100%. Il y a obligatoirement une griffe quand tu touches bien. Attends, j'ai une fois, on va voir s'il est grand. Non, mais il va pas être marqué. Il a pas tapé assez fort. Ouais, non, mais voilà. Je peux voir si le véhicule est à.